Bonjour à tous les participants de la Fête de l'Europe. J'ai eu moi-même l'occasion de participer à cette journée de l'Europe en 2011 pour montrer comment se passe l'entraînement de base des astronautes. Et justement, une grande partie de cette formation se déroule au Centre européen des astronautes à Cologne, un endroit où mes collègues font véritablement l'Europe jour après jour. C'est un endroit comme d'autres centres de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, où l'Europe se vit, se travaille et se construit. Un endroit où l'Europe, c'est plus simplement une idée, un concept un peu abstrait, mais une réalité de terrain. Et ça marche. Les Européens n'ont jamais passé autant de temps dans l'espace qu'en ce moment, et ce pour le plus grand bénéfice des citoyens de l'Europe qui bénéficient des résultats de la recherche spatiale. Sur ce, je retourne au travail ici, dans le laboratoire Columbus, la maison de l'Europe dans l'espace, et je vous souhaite à tous une bonne journée autour des débats, concerts, et village européen à l'occasion de la Fête de l'Europe à Paris.